Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. Partout à travers le monde, bah les Congolais n'ont son beauté, peu boyé bolamo. Namanaka ya pona Congo, ya mokona le bandi. Merci na confiance, pe fidélité, confiance. Vous allez koko ba ko renouveler biso, mes colois son beauté. Na bino, bah les Congolais à travers le monde, bonjour dans biso. Na Kinshasa, tope libanda, na kati ya ba province, pe Bongo on a Bongo. Le président Félix Tshisekedi a partagé un repas de corps ce mercredi au chapiteau de la Cité de l'Union africaine avec les officiers généraux et supérieurs ainsi que le sous-officier des forces armées de la RDC. Dans son intervention, le chef de l'État a convié ses hôtes à respecter leur engagement vis-à-vis du pays et du peuple jusqu'au sacrifice suprême. Ne jamais trahir le Congo, nous formons un corps de défendre des institutions du pays et de notre peuple. Élection 2023, la mission de la SADC n'a pas trouvé d'inconvénient pour la tenue des élections du 20 décembre prochain. Dans le même registre, dans une exclusivité accordée à France 24, Corneille Nanga confirme que le résultat de la présidentielle 2023, donné bel et bien Félix Tshisekedi gagnant. Cependant, souligne-t-il qu'il y avait un accord entre lui et Joseph Kabila pour 2023. L'ancien président de la CENI dit avoir décidé de publier l'accord parce que Félix Tshisekedi, le premier bénéficiaire de cet accord, n'a pas respecté l'accord. Et pour finir, le Né-Congondais, la République démocratique du Congo-Ondeï, Zachary Bandiengila, connu sous le nom de Né-Mwanantsemi, a quitté la terre des hommes hier à la clinique Nganda, chef spirituel du groupe politico rédigé Mboudi Diamayala et ancien député national, est mort à l'âge de 70 ans. Voilà. Mission de la SADC na République démocratique du Congo a tel ici que l'élection et que ça les mamalam parce que selon consultation à salarié à Koutani na baï politique à Koutani qui peut na mokambia seni pe équipe naie tel ici que mission na bango et salimi malam pe ba kozonga kaka awa tangu ba élection et ko salema. Est-ce que nous sommes vraiment en route vers les élections et ko zala libre, transparente, paix apaisée? C'est la question qu'on se pose ce matin et quid sur ba revendication ou ya baïke pe ba sous pour tobo sanité qui FCC ou ezali partie prenante tena katia ma ponomi oyo ba pesa ki ya bango li sous ba préalable yambo ba kota na katia ma ponomi. Est-ce que ba kozwa gain de cause tope tozali kokende tout droit vers la fin, vers
les élections qui aura lieu le 20 décembre selon calendrier il y a CENI et si j'ai ami baleto kolobela lelo et si j'ai à développement to simba yango to kanisa lobby à Congo parce que toza à 2 mois des élections ba président ba candidat président bazali kopé serbango ba programme pour na Congo ya lobby et le lomo tourné zali quelle politique agricole pour un développement durable de la République démocratique Congo, tu reçois la moula baï Congo Manio Baza, Nabiso, parce que Tobo Sanate que Mboka Congo, Ezali, Mboka Moko à vocation agricole. Ce qui te suit vraiment, mon salaire bilanga. Au sérieux, tu reçois que ça Afrique Mobimba, sinon, Ndenge, tu as la Mabele, Bele, puis tu as la Nkita, et Bele, tu reçois que ça peut pas sous, non seulement Biso, tu reçois la Nzalate, mais tu reçois ça peut pas sous. Pourquoi est ça le Makate? Pourquoi tu as que réfléchir dans le sens où on a été, nous allons en parler au cours de cette émission, Nande. Copistis Mouteba, Zali porte-parole à Bion, il y a parti politique en vol, P. Lingomba, Zali cher, dans mon amboka de l'Isse Sanga, mon koya ba candidat président, na ba élection, Zali koya, OIEP, Aeba ki kope, sa ya ye makanisto, pe programme de société, na ye week-end, eleki, toromé karoko, ta vraiment, na kati ya programme, ya programme ye, sans pourtant, tout ça la campagne électorale, mais tout réfléchir sur makanisti, oh, mon amboka de l'Isse Sanga, appel sa kin de copistis Mouteba qui déjà qu'on rejoindre Bicho sur ces plateaux tout le Belamaï Matali République démocratique du Congo moi l'amboka seulement Miko le Belé Mbote pe boye bola Mbote mingi maman Naomi na tonjo botondi pona li bakou pesi Bicho poto sur le Congolais na ba Congolaise de partout na pesi ba Congolais de partout Mbote mingi mingi si ka na zoni pona na kitabo na talouka Merci. 110 milliards de dollars, ils allaient poudre aux yeux, à la Congoman, ils étaient topés, ils allaient penser, mon solo, oh, on décode, c'est ça, à ko sala pour na budget national, est-ce que ko salema na 5 ans, topé, n'est-ce pas, topé, ça, on a un programme, on a un programme, on a un Congoman. Na bandi était, na présentation, un programme, il y a candidat président de la République de l'Isse Sanga, ils allaient qui, bien détaillé, na ba 5 axes oyo za la prioritaire na ba 35 mesures oyo akozwa lo lenge boni akozwa mosolo po atindi kango na ba secteur de développement ba secteur oyo za ko toucher ba kongomani mbala moko et na ba mécanisme oyo oyo atalisa ki na showbuzz parmi tant d'autres oyoka ka bien la ki sur la réduction du temps de vie de l'état o ala ksaki par ba 2 mesures na ye ceux qui n'ont pas solo, ils ont quand même l'institution politique était bah, réduire en gros. Comment est-ce qu'on peut arriver à faire des économies de 1 milliard de dollars parmi les bah, mécanismes à la Kisaki la présentation, il y a projet Otobengi, réfondation du Coco. Il y a un moment où il y a un moment de campagne électorale. Il y a un moment où la campagne électorale est comme ça. Il y a un bel élément avec détail. Comment est-ce que projet à réfondation du Congo, ils allaient projet moko ambitieux, sérieux, ils allaient porter l'aspiration à Congomani pour être moko qui n'est pas. Très bien, tu as bien que une déco de l'île, c'est ça, Nazara Montoua, mais ma canicien, ou t'en as parlé, moi, Azama Kassi, côté, mais la moussala peut oser la haine, la moussala, ce qui maloba et coco qui s'amande, et malade, tu bambes à Zanabiso, moi, la moko, il y a eu de paix, ça coûte déjà qu'on rejoint comme ça sur ces plateaux, déco et celle, puis moi, Miko de Bélé, moi, t'es plus beau. Merci. Mimpila, na pesi ba Congolais nyonso bazali kolanda biso baza connecté na pesi pe ba potentiels électeurs ya lukunga nyonso mbote na pesi pe ko débatteur na mbote. Je pense que le débat sera républicain, démocrate, démocratique je disais, et surtout pédagogique. Très
Très bien, merci beaucoup. Ndeza souena biso koza na kanisia ba imboka pona mboka Congo kende liboso ko dénoncer c'est le fort mais ko pesa pe makanisi non seulement critiquer mais aussi apporter ba proposition pona mboka Congo kende liboso to fungola ma émission le lona de copistis boyambaki mission ya SADC ezala ki lundi bande ko en vol bosola ki na ba SADC lelo ba si mission na bango ba kutani na délicatement, balobi que bazar rassuré que l'élection et que ça les malamu et que ça les le 20 décembre prochain. Est-ce que le lot vous a rassuré que tous allez coquin des verts, bah élection est libre, transparente et apaisée. Quid sur bah revendication la bino bazar en angola. Est-ce que si les topes bazar continuent en ango même qu'aux alakati il y a processus électoral. Na tunche boton dit maman Naomi, il y a yambo na koloba été dans toutes les démocraties classiques. Bah, concertation, bah, discussion, il sera toujours permanente. La démocratie classique, nous bah, politique, bah, il sera toujours pour discuter sur les sujets sociétals de la société, sur des sujets de la démocratie, paix et processus électoral. Mais il sera mais au bête, c'était sur la bah, réclamation, il sera qui en vol. Ceux qui ont été détectés, ils ont été démérés. Pour organiser le bamboule et les qui, l'ingoma la mission politique envoie la voie du changement, la partenaire la mission G13, ou tu vas dire que Bélé la pône un consensus sur les trois piliers du processus électoral, la loi électorale, la composition à CENI, la composition de la Cour constitutionnelle. Ma gambo, tu as dit que Bélé la pône un consensus sur l'opposition, paix à la société civile, et Tikali à l'ordre du jour. Mais en vol, et vous jouez jeu. Il y a pas dégoûtant et n'a pas dégoûté. Ok. Pour être trop batté, le coup là-bas, ni canot, tout l'inga qui est salé, mais salé, mais t'es tourné bien dans la mopandi, t'es en vol et ça la jiwanate. En vol et qu'il y a un processus électoral, tout temps, côté le respect et à délai constitutionnel, mais aussi à coup bel et là-bas, congolais, banso, dans le cadre rêvé patriotique, et qui bat zala, nabo kebi, mingi, namokolo, yamaponami. Bah, c'est là là-bas, bureau de vote, là-bas, centre de vote, na e bandeli, y a jour, y a vote, na ti bako publié bah résultat, quoi affiché te. Voilà la population. Oh, bien sûr. Mais dans le cas de bah, bureau de vote, c'est impossible, ceux qui m'ont attaqué pour voter, à quoi ils ont dit, ou t'as ouvert un liban, à la possibilité, ou à la mobe, comment ils ont payé que ça congolais, et que ce soit à qui pour ponaille. Président de la République, avec au Ponaï, député national, au provincial, au conseiller municipal, à Zokanda, par au Télémila, à Zélaïti, à Zélaïti, processus et combattant à Souka, pour être publié, bah, résultat, n'a plus affiché. Parce qu'en droit, il y a une démarcation entre affiché et publié. Parce que publié, ça sort des effets de droit. Bah, Congolais, bah, Zélaïti, chaque bureau, bah, chaque centre, bah, publié, bah, résultat. Ouan est-ce que vous avez mis, tout le monde. Le coup là-bas, trois piliers. Il y a processus électoral. Oui, pour ça, la transparence, la traçabilité, il y a processus électoral. Et ça, les mis dans le cadre de la consensus T, la loi électorale, la composition signée, la composition cour constitutionnelle. Le coup, ça, les mis dans la consensus T. Bisoto, c'est la cadre d'immatéa pour quand même un résultat. Bisoto, c'est fier d'avoir un résultat et qu'on a publié après les élections. On les a rien. De deux, donc ça fitoko se fié na ba résultat au ba témoin na biso au ba opé ça na ba témoin ya ba organisation mais solo c'est la CENI qui organise. Si vous pouvez me laisser évoluer, je vous en prie. La CENI organise les élections mais pas pour fabriquer les élus, ça il faut être clair. La CENI to cour consoler dans un mandat pour fabriquer ba élus. Oui, bien na ma mbétali ba trouble post-électoral au dessus de 2006, 2011 à 2018 et puis ça les pour que la volonté populaire parce que il faut qu'on se le dise les élections ça m'a rapport à la majorité présidentielle les élections ça m'a rapport à la CENI là pour constitutionnalité les élections ça les marque c'est un rendez-vous entre c'est un contrat social entre le peuple na ba au kamba. Et le peuple, il faut veiller sur volonté naïe. Pour être peuple, n'a pas ça. Il faut avoir un mandat à qui vous représentez dans n'importe quel niveau aux décisions que nous sommes. Alors, ce qui peuple est à mon unité,
volonté populaire et volonté na ezo landa mamate ezo landi sa mate loko le longobani il faut atteler melango na lobi boye na bandeli biso to ko c'est la cadre mate a publié ba résultat na je dois corriger la barre résultat qu'on a publié malamoko bureau par bureau le même jour moi les ayam to causer la paix ba résultat eux on a publié par les organismes internationaux eux vous allez accréditer à wana Congo pour tout l'année la barre résultat wana to ko l'année la paix a resté après ça mana église catholique na ECC. Donc, vous avez la carte d'immaté après ça, résultat. Quand l'église catholique, mais encore, le bar à ça, résultat à 2018, si le loi a dit qu'elle a remis ça, on était un 5 ans. Bon, n'a aucun des. Bon, polémique, on m'a dit la vérité du jour. N'a pas de pragmatisme au bisou en vol tout de suite pour être non seulement population et l'un de la vérité populaire, mais être volonté populaire, allez-je dire, ils allaient respecter, ils allaient le caractère erga omnes. Et pas assigné, et pas à cour constitutionnel pour que tu évites la fabrication des élus, la fabrication de résultats qui ne reflètent pas la volonté populaire. Donc, les Congolais de partout, du nord, du sud, de l'est, de l'ouest et au centre, mon collègue, mon ami, vous allez ébeler dans le centre, dans le bureau de vote, vous allez vous faire un projet de société, un projet de société qui tient debout et qui est pragmatiste, réaliste et vous avez que porter une vision globale et mboka pebo lande la ba résultat wana et ça publié bureau par bureau pour être ba résultat wana et ça publié des ba résultat ou to forcer pour constitutionnel et publié mais Obama na opinion ti kona ba solo ta mutune ya mukie ezolo Obama na opinion que opposition elle les a reconnaît tellement en ordre dispersé que bazala ba préparer élection té ba préparer ba témoin té mais bazo préparer une ligne robot ya ba résultat souka est-ce que ça solo to ko moto azali na na capacité royer ba soki nanga ko sa problème to na sa ponte sa peuple. Mais quand le bail est trop qu'il y a une ordre dispersé. Surtout que Babi Rosa a mis un peu opposition à pété. Trop comment trop qu'il y a une ordre dispersé. Nan a le bail était pour gagner l'élection. Il faut qu'il y ait un ordre unique. Nan a le bon. Biso par rapport à. Il y a tourné tout ça dans la réformation du Congo. Tu as tamboli plus de 10 provinces. Tu as un peu de Congolais de partout. Quand on a une épice, Biso, qui est pour gagner l'élection. Il faut qu'il y ait mais en face, bazar bien organisé, plus de 500 partis politiques du bon côté de l'histoire. Pour gagner les élections, il ne suffit pas d'être organisé. Il faut avoir un bilan. Le peuple n'a pas besoin de l'organisation. Après, sur le mandat, il faut que ça 5 ans après, sur ça, les lignes. C'est à ce niveau-là qu'on gagne les élections. On ne gagne pas les élections parce qu'on est organisé. On gagne pas les élections parce que vous allez les boquer mon corps, boquer, boquer, vous allez les boquer. Stigmates même. Il y a tricherie dans le monde congolais. Pour être congolais, il y a une question que pour les gens qui sont les gens qui sont les congolais, il y a bien un vrai projet, un projet réaliste. Il peut reprendre sa mandat. On n'a pas besoin d'être unis. Certes, et vous allez solo. Ceux qui, sur le principe, et que le Congolais, tout le leader de l'opposition, il n'y a pas de problème. Une candidature sur deux projets. Pas une candidature sur deux personnes. Parce que la Congo, par exemple, provient dans celle-ci. Les Congolais de partout ont un projet pour tout le monde au Congo. Ils ont la vision providentielle. Projet où ils sont forts, projet où ils sont ambitieux, ils ont porté l'aspiration de la Congolais. Il y a des projets où les Congolais vont amener, ou vont porter en haut au niveau de la magistrature. La binôme européenne a 4 en vol dans Botaline de Côte d'Ivoire, c'est ça. Il y a des billets, des boignes, des maillets, des nions. Mais dans le cadre de la popularité, est-ce qu'il saura battre campagne pour remporter les élections présidentielles? Qui peut avoir en toute honnêteté la certitude de la popularité dans le Congo? Non. Azaké. Bon, mais tout le monde a eu bien le sang, mais il a tout mis, il a la certitude que nous gagnons dans le Congolais. Le Congolais est dans le monde. Le Congolais est dans le projet de la bande de ce soir. Le Congolais est dans le projet où il pour dans le Congo. Projet où il y on a tous les mécanismes, il y a défense de la sécurité pour être. Mais tout le monde, ça a plus de décennies, plus d'une décennie, la Congo ici. Le Congolais, c'est le projet où il faut rencontrer les aspirations économiques et sociales. Le Congolais, c'est le projet pour réformer l'administration, pour réformer l'administration militaire, pour réformer l'administration judiciaire. Et ça, le projet, le Congolais, c'est la haute providentialité.
au moins naïti na mère konami roya ne ba kongolais ba osala tabou la race assemblée nationale. Très bien, merci beaucoup mwana mboka Pustis Muteba aujourd'hui 8 minutes de copain ngambo rozwa 8 minutes na ina moni lelo bande kwa kasai bazaro la muka depuis chikapa mbote na bino bande ko bazona na biso na kananga. Merci de vous signaler Maton Domingue na bino ozola na biso partout na kati ya mboka Congo ne ko Emmanuel Tibambe de prix arrivé à mission ya SADC na RDC rumeur moko bande ko tambola sur dialogue moi que les allées pour bongissement entre partis politiques apparemment union sacrée au cours sa vie son apparence mais au fond bas prêté pour la reconnaître ma colombe parce que bas au bang abinan à baron baling babengi sabaï politique bas vanda et bas sur la ngo pour que bas kabola pouvoir le solo to le kuta maman Naomi merci n'a n'a pas signé à y parole yambo et n'a limbola na motuna na yo. Permettre de passer un message très important. Tout ça, Nazali, ces derniers temps, Nazali, message parce que moi, je pense que nous sommes là pour travailler, pour avoir bien, il y a population. Il y a de ceux-là qui avaient compris, mais c'est pas Bisso Bao, tout l'anda qui Bélé à Mokonzamboka, tout ça, par rapport à charge aux gens qui servent la population. Malheureusement, parmi nous, il y a aussi de ceux-là qui ne sont jamais rentrés dans cette optique-là, dans cette idée, la vision à chef de l'État. Alors, ceux qui battent à bon Bazali, Bisso Moussa Nabisso Zali, il y a qu'on dénoncer Batouana pour nous relonger la bambou mabé. Alors, le message d'Angé Zali était, depuis un certain temps, travailleurs, il y a réseau national de télécommunications par satellite, ou à Béni Renatelsat. Bazali na sitin mikolonion sur le bureau ya ministre Patrick Muyayan. J'ai été apostrophé par ma compatriote la semaine passée. Je crois même ma vidéo dans ça là comme même viral dans mes réseaux sociaux. Bande konna bazali ko décrier Marmi Belé ya Oazeko Kamba société wana wa bengi Renatelsat monsieur Richard Achinda. Bazali ko d'abord ko reprocher na mes gestions. Bazali ko reprocher na détournement. Et aussi, la longévité, il y a pouvoir. Ce monsieur est DG à l'entreprise Wana Banda 2001. Tout est en 2023. C'est inacceptable. En quoi s'explique cette longévité? Au moins, tant que nous avons déjà décrit la longévité, parce que la longévité, ça produit, ça fait où il produit ça. Il produit ça, mais gestion, détournement, parce que à mon comme ça, comme il y a des tout puissants. Bandeko wana basé qu'on déclarait vraiment bakiné comme on a ministre Patrick Muyaya si bon que non il est déjà celui par naé à Moussala cette idée dossier pas premier ministre mais ça fait plus de 2 mois ici je suis venu demander à la sagesse du premier ministre ayo canon bandeko ya Renatelsat parce que trop c'est trop et puis il y a une action disciplinaire qui a été ouverte à l'encontre du monsieur. Bisous, c'est une administration. Lorsqu'il y a une rencontre, il y a une action disciplinaire contre yo, gestionnaire même Mokonzi, tu es limité de ton pouvoir. Le monsieur se permet de voyager même à l'étranger, qu'on à l'État au moment où il y a une action disciplinaire contre lui. Il a fait engager ses enfants qui perçoivent des trop perçus, tout ça, au détriment, il y a des travailleurs. J'ai des documents. Moi, quand je parle, je suis un journaliste de formation, j'ai des documents. Bandekouanamba, Luka Kingai. Bah pessinga bah document nazali nango pour bah tout monsieur comme diffamation oh bonabo oh amouna qui diffamation amouna qui imputation dommageable ah qui ne va causer tribunaux moi j'ai des documents qui attestent. Alors ici je demande à la sagesse du premier ministre attendons dossier wana ya bandego Renatelsat parce que bah exprimer ras-le-bol na bango pendant très longtemps ils basa pas congolais ils ont droit aussi ils basa entendu par la haute hiérarchie. Donc le premier ministre Samalou Kone, si vous nous suivez, en tout cas, imprégnez-vous de la situation qui se passe actuellement au Renatelsat. Parce que trop, c'est trop. Très bien. Mais ça, j'ai l'équipe, mon amour. Alors, Neko, pour nous avoir un peu la question, j'ai quand même quelques purifications que je voudrais faire ici, scientifiques, bien entendu. Parce que dans le cas, il y a le mot bleu, le mot. Et puis, j'étais tellement confus. Et qu'on peut engendrer une grande confusion dans la population. Je voudrais d'abord rappeler. Et puis dire à mes compatriotes, la seule institution où il y a
Oyo ngai naza député, candidat député na Lukunga. Place na notre candidature na ngai comme on a une commission électorale nationale indépendante. La CENI en sigle. Je répète bien. La seule institution qui a l'impérium, qui a tout le pouvoir, il y a qu'au réceptionner, il y a qu'au traiter, ba candidature à Batou, il y a qu'au organiser ba élection, puis il y a qu'au publier ba résultat. C'est la CENI. Na kata conseil ba lobby église catholique. Ba lobby organisation internationale mon côté. Ba lobby bon côté. Ah, bazar une mission d'observation. Ah, très bien. On parle français. Vous avez dit mission d'observation. Quel est leur rôle? C'est d'observer. Ils ne c'est pas de parler, d'observer. Et ils vont observer et au finish après ils iront faire, je sais pas moi, rapport, il y a Batou Batini Bango, je sais pas ce ils a banani Batini Bango. Mais moi ici je parle de l'organe technique qui va organiser des élections. Ça s'appelle la CENI. Et puis, confusion, il faut que les compatriotes soient en train. Lorsque vous êtes observateur, un observateur ne parle pas. Si vous parlez, vous êtes en déphasage de votre mission. Vous êtes observateur, pas pour le dictionnaire, pas la ça veut dire observateur, observation et le verbe observer. Bah, font le dictionnaire, et en gros, tanga, explication, il y a titre où on va porter pour l'élection. Ils sont observés. Ils sont observés. Ils sont là pour observer. Si on ne met pas le baté, on va voir comment. Parce que ça, le rapport, on va tous. Si on est toujours observateur, on va tous attendre si on est observé, on va observer le rapport. Parce qu'il y a ça empêché. Donc, il y a qui n'est pas attendre si on est toujours observé, on va tous attendre si on est toujours observé, on va tous attendre si on est toujours observé. Mais il faut retourner à ce qu'il faut pas qu'on envoie parce que Tata Mwasiwana, qu'est-ce qu'elle vaut pour y a influencer soit le résultat ou bien déroulement et opération. La confession religieuse, bah, ça n'a qu'à dire la société civile, par partie prenante. C'est quoi la société civile dont vous. C'est quoi la société civile? Vous êtes de la société civile, vous? C'est quoi la société civile? Moi, j'aimerais ici que nous restions dans les textes. Est-ce que les textes disent que. Ce sont, en fait, c'est la constellation des sociétés civiles qui vont publier les résultats? Non. Restons dans le texte. Ce qui m'a dit, c'est le baguette, c'est n'y a publié. Confession religieuse, vous avez publié. Et puis, on a combien de confessions religieuses maintenant? Ce n'est pas l'église catholique seule. Non. Je suis catholique de naissance. Moi, catholique de naissance. Je suis issu d'une famille catholique. Mais je ne peux pas prétendre dire que nous sommes une confession omnipotente ou bien prévalente par rapport aux autres. Non! Les Kimbanguistes font une force aujourd'hui dans ce pays. Les églises des réveils sont une force actuellement dans notre pays. Le musulman, les bouddhistes, tout. Nous sommes un pays laïque. Le respect des autres confessions est tellement garanti dans la Constitution. Donc moi, je ne peux pas me prévaloir à dire que non, moi, ma confession, elle est omnipotente par rapport aux autres. Non! Ça, c'est une absurdité. Il faut le rendre et le rendre à Moutou Nabisso. Donc, la zone qui a été la seule institution où ils ont habilité à publier le résultat, c'est la CENI. Deuxième confusion, Oyo, parce qu'il n'y a pas côté sa population, Nabisso, na kati à Moutou, il faut et le moi. Tant que tu as aucun de vote, d'ailleurs, le coup, tu as le président Félix Antoine Tshisekedi, tu as le président de Moutou, en printemps, on a signé. Tant que le président Tshisekedi, il a déposé candidature, tu as dit Nabisso Nyonso. Nabisso Nyonso, mon ami, tu as dit Nabisso Nyonso. À Sali interview, il a dit ceci, il a demandé même à la population, le jour du vote, ne rentrez pas chez vous. Restez là jusqu'au dépouillement. Le chef d'État n'a pas dit jusqu'à la publication. Il n'a pas dit ça. Parce qu'il est chef de l'État, il peut aussi dire ça. Mais il est respectueux des textes. Il a dit que publication des résultats émane de la spécialisation de la CENI. De l'église catholique, cher ami, pas d'une organisation internationale, non. Nous devons quitter cette zone là de l'esclavage mental. Croire que une organisation internationale, je sais pas moi, au centre Carter et l'équipe par exemple, Dani, organisation, il y a Koulou dans ce Georges Capiama par exemple, non, non, Moussa au centre Carter à Salaga, ça même Moussa au Georges Capiama à Salaga. Et ça même Moussala Oyo Asadou Asalaka. Et ça même Moussala Oyo Lizadel Asalaka. Et ça même Moussala Oyo Koulout Nanga Bonso. Nabousa Nini Naye. Nani. Oh Koulout Nanga Bonso Nani. Asalaka Nani. Nabousa Kouma Nini. C'est le même travail. Mais ça va moyen mon côté.
Voilà, très bien. Très bien anticipé, Ngaï. Bah, moyens financiers. Est-ce que les moyens financiers vont détourner les objectifs d'une formation et d'une structure? Non. Ngaï n'a pas la même vision. Ngaï n'a pas la même vision. Même si vous avez 1000 dollars, il y a Moussa au CLA. Ngaï peut-être que vous avez 500 dollars. Mais non, vision, non, la vision est un ami. On a tous le même objectif. Mais peut-être qu'on n'a pas le même moyen. Mais cela ne me croit pas le droit de croire que vous êtes plus supérieur que moi par rapport à travail. Non! Ce n'est pas ça. Alors, c'est très important. Il faut l'ouvrir. Oui. On a même une minute ici pour conscientiser nos compatriotes. Et les policiers, les véreux, c'est très important. Ici, on n'a pas parlé de l'église catholique. Non. La loi n'a pas parlé de je ne sais pas moi, centre Carter ou bien Radio Vatican. La Radio Vatican, c'est le qu'on Radio RTNC. Et c'est le la Radio Top Congo. Radio Vatican. Et c'est le la Radio Rallye. Excusez-moi pour la publicité. Et ça, radio, c'est des organes de presse. Je suis un journaliste. Je suis un journaliste. Donc, Radio Vatican, le baguette. T'es Radio Vatican, c'est un journaliste. C'est un journaliste. Yo, maman, pas journaliste, c'est pas les kiyoté. Peut-être pas les kiyoté en moyen. Mais il y a des gens qui sont d'ici une année, deux ans, au moins le roi Bango. Mais vous faites le même travail, il ne faut pas être complexé devant eux. Le même travail. Moi, si je vais à TV5, RFI, 24, je suis journaliste. Question sur tout, je vais repasser, je l'ai appris à l'université. Dans sa complexité. Non, je ne serai pas complexé. Ça veut dire ceci, la CENI, lors du vote, il y a le 20 décembre. La loi parle, la loi prévoit après les élections, il y aura affichage des résultats. La loi, voilà, la loi n'a pas dit qu'il y aura publication. Non, ça c'est une fausseté, c'est une ambiguïté. C'est une fausseté. La loi permet, après vote, qu'il y ait affichage des résultats. Moutoraza habilité au Mibeko Yebi, c'est monsieur Denis Kadima qui va publier les résultats de vote. Ce n'est pas l'église catholique, ce n'est pas Cholet, ce n'est pas Ambongo, ce n'est pas je ne sais pas moi qui ce soit. Pour la Silissa, moi je demande, on a telle liste de candidats députés, président de la République, bon, avant que la Cour constitutionnelle a avalisé, parce que tu es ok, d'ailleurs, nous, monsieur Bazanaba. Madame, problème lié par rapport à la loi. Et donc, attendez-vous qu'il y aura aussi restriction de cette liste de 24. Parce que l'ingi mibeko, parce que et le maboko, tu t'es pas conformé na mibeko. Et puis bah tu faut bailler bas. Les gens doivent savoir. La loi a toujours eu un caractère discriminatoire. Je reprends. La loi a toujours un caractère discriminatoire. Ça veut dire ceci. Tout le monde juriste va dire ça. Tant bas cela la mibeko, ils appellent bah écarter bah il y a toujours des récalcitrants. Il y a toujours des récalcitrants. Donc, attendez-vous qu'il y ait des gens qui seront écartés parce qu'ils n'ont pas rempli les critères. Merci. Ça, il faut s'attendre. On a chuté. 30 secondes. Tant que vous avez valisé la liste de la candidat président de la République, dans ce moment, il y a une liste de candidats qui sont en train de se faire. Augustin Matata Ponyo. Candidat Franck Diongo. Candidat Théodore Ngoï. Candidat Constant. Bon, candidat Sogi Seti Kikuni. Nous avons 145 territoires. Bah, Congolais, bah, poste, bah, mon abino dans tous les 145 territoires. Bon, s'il vous plaît, non, campagne est bandité. Nous avons la campagne.
na tose ngabino bokoma na tous les 145 territoires tout le monde a bino de battre campagne. Deuxièmement, rapidement, ce qui ngai bana lukuna ba voter nga pona candidat, ce bana lukuna ba voter nga na ko tia loi moko na nyinyi mama cumule ba candidature et si là yo le biko za leader au tia candidature nous na présidentielle. Comment on va gagner sur la députation nationale? Non, ça veut dire que négociateur pogno, négocier sans négociongo, bas sur na bango de bas bas d'agou campagne té. Jamo moni bas bas dans un besunga, ceux qui côté estime pas aussi battre les bas que la députation nationale. Merci beaucoup. Nous sommes dans le cadre d'un parlement en 2022 au long de la loi wana. Merci beaucoup Mwanamboka, merci Maton Domingi. Pour tous ceux qui veulent campagne tali élection 2023, tout le bela peli campagne tali bongo élection 2018 pour ne connaître rien qu'aux hommes habitants tant union sur le lot d'armes qui se sont ne connaître à sali déclaration sur France 24 ne copie Moutéba, est-ce que le lot il faut tout voilà tout zone et la lissou les cambetta libongo élection en 2018? Est-ce que et comme une gonga justice n'abisso et cota dossier en parce que les a énième sortie médiatique il y a ancien président et seni wazali kolobake accord moko salamaka en 2018 et cotisara président Félix Tshisekedi. Est-ce que le lot à deux mois des élections, est-ce que et comme cause à distraction topé il faut revoir situation en a parce que et comme moi mingi kozo abisso moto malobo mboka. Merci beaucoup, mais on peut permettre à maman Naomi. Nous avons commencé si malalum bangu pour nous la éclairage na ba absurdité ou notre cas loi la loi électorale bateau va proposer que mon assemblée nationale allait bisson tu es bien que dans le cadre de travaux parlementaires n'est si qu'un bateau et une sacré bâti affichage dans le texte primaire c'est là qui publication des résultats bureau après bureau. Pourquoi publication? Parce que la publication ce bâti on a bureau songolo. Ils ont déjà un caractère erga omnes en droit. Ah non, bah histoire, criminologie, auto-théologie, non, bah en droit. L'affichage, la publication, ils ont différent dans le caractère erga omnes en droit. Il faut être banni à l'ambo basé à la mémoire courte. Les élections, ce n'est pas une question d'un prisme technique majorité-opposition, non. Les élections, c'est une question aussi de la souveraineté du peuple. Lorsque volonté naïe et zali biaisé, le peuple en a le droit. Parce que ça, la réélection, c'est pas pour ça. Ça, la réélection pour constater la volonté populaire. Non, il y a un de quoi, tant qu'il y a un juridisme populaire qui n'a pas de raison d'être. Alors, bien, ben, c'est ni les années à habilité à programmer le résultat. Mais là, je vous rappelle, en 2011. Le résultat où Tshisekedi c'est que il y a ces faisards autoproclamés dans la 10e rue. Vous avez le résultat signé. Il ne faut pas avoir une mémoire courte. Et Tshisekedi tu vois, il y a des restes mémoires. Après les élections de 2011, a mis comme ça qui président de la République par rapport à quel résultat? Après ta serment. Après ta serment et pas Nenandaku. S'ils sont logiques envers eux-mêmes, envers leurs pensées, envers leurs. Leur mentor, si on doit le dire ainsi, a prêté qui serment par rapport à quelles données, par rapport à quel résultat. En 2011, il faut que dans le courage, il faut que dans le tango. Mais si il y a un tango, il y a un tango qui présente la République par rapport à telle donnée. Dans le cas de l'UDPS, il y a un tango lucide, il y a un tango pour aller qui était. Face à pouvoir aux alliés en place à l'époque, face à toutes les institutions d'appui à la démocratie, et alliés qui n'ont pas de rôle à soloter par rapport à un résultat, il y a élection. Mais alliés n'ont pas de témoin. Alliés qui n'ont pas de bateau, qui n'ont pas de résultat, alliés qui province après province, ville après ville, territoire après territoire, alliés n'ont pas de résultat. Il y a un qui est gagné à l'élection 2011. Il y a un qui est gagné à l'élection. Mais avec quelle CENI aux populations, aux lignes et là-bas, résultat? Avec la CENI monopartisane? CENI monopartisane, tout ça, dans le monde, des Congolais, des Congolais, des volonté populaire et salima. Avec quelle cour constitutionnelle? Avec une cour constitutionnelle où 7 membres sur 9 sont d'une seule même région?
Avec quelles institutions au bino bohibi a appuyé la démocratie, toi bah institution il a dit habilité par la constitution et les lois de la République, aux populations ont la confiance dans nous. Avec quelles institutions? Parce que vous avez fait la même chose en 2011. Nous ça l'a d'ailleurs pire. Vous prêtez serment. Vous mis autoproclamé président de la République. Vous prêtez peine à serment. Sur base de quelle disposition de la constitution? Sur base de quelle loi de la République? Quel bon zoba peuple était? Et là vous sans acquis. Les qui, les gens qui ont lié ça au peuple, bon, ça va peuple, le peuple a senti là, pour ne pas rester à la publier. Parce que la publication va rester en anglais, on va s'en tenir. Et par rapport à la tangue à l'organisation internationale, la tangue, nos témoins vont nous transférer des données, vont nous transférer le résultat. Les résultats, vous allez constater, n'a pas urne. Le résultat, wana. D'autres structures internationales, nationales ou même internationales, allais-je dire, des résultats ont des bisous. Donc, on a la cadimate, on a fait cours constitutionnel, cours constitutionnel, la loi sur la cour constitutionnelle, c'est notre bébé. Donc, bonjour, qui est la ma la sénité, on dit la cour constitutionnelle, mais ça sert à quoi? On a boni na lobi awa qui est sur le trois piliers, il y a transparence, c'est la procédure électorale. Auto belé la qui. Bambou Leleki avec nos partenaires du G13 sur la loi électorale et obtenir un caractère consensuel sur la réforme de la CENI et sur la recomposition de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Bambou Leleki Bissota Bambou qui ne match quoi ta Donc il est bon. N'a personne qui s'en manque. Dans un match de football, ils ont l'équipe A, na B. N'a arbitrage, au faut à la neutre. Ceux qui n'ont pas match arbitre, ils ont dit qu'ils ont un match A ou A, ils ont un arbitre traité. Où l'arbitre a sa sanction l'équipe A tout bête. Il y a un match quata. Soit on va le tchelo kolo, soit boukio kwei. Match tout bête, match quata. Il n'y a pas d'arbitrage. Oh. Arbitre, c'est l'équipe moko. Il est banni. C'est une CENI monopartisane. Il y a un motier. Si vous avez une CENI, vous avez un mani, basé sur le résultat partiel. Monopartisane, alors que l'opposition est représentée. Par qui? Il faut bien dire l'opposition débauchée. Vous avez un parti sanguébi. Quelle structure va être là-bas? La représentation de la CENI, on doit reconnaître à l'élo. Quelle structure politique? Laquelle? Tout à l'heure, pour moi, il y a un symbole pour solo. Tout ça, vraiment, quelle structure politique sont les pakala? Et ça, la représentation de la CENI. Non. Et ça, la représentation débauchée. Et ça, le lingue, on a tenu, il faut construire paix sociale. Parce que les élections crédibles, apaisées et transparentes, ils allaient gage à paix sociale. Ceux qui étaient gage à paix sociale, les athées, ils ont remis un match quata. Donc nous, on considère que dans l'élection de Kenya, il n'y a pas d'arbitrage. Parce qu'il n'y a pas eu un consensus sur ces trois piliers. Et comme il n'y a pas eu un consensus, les résultats au bisot aux allons entre nos mains. Et là, la structure aux alliés indépendante, pour ça l'observation, des résultats aux populations éco-exigées. C'est bien simple. Parce que Baroumou, on a 2011. Ils sont en train d'en parler comme si c'est une formule nouvelle. Pas du tout. Bah au-delà même, il y a qu'on reconnaître l'élection de 2010. Bah, le résultat a signé en 2011. Mais ils se sont fait autoproclamer. Mais bah, prêter serment. C'est sur base de quelle disposition constitutionnelle? C'est sur base de quelle disposition légale et même réglementaire, si vous voulez, que les coéchants se créent d'heureuse mémoire. Après tel serment, on a dit ça, monsieur. Sur base de quoi? Donc, on continue l'élection opposant à 2006, 2018, vérité des urnes, 2023. Le quoi pour mes consensuel sur trois piliers, c'est-à-dire la loi électorale. Parce que la loi électorale, comme le dit le professeur Jacques Joly, c'est une loi d'arbitrage sur la Cour constitutionnelle. Parce que la loi sur la Cour constitutionnelle, c'est notre loi. C'est la loi d'Élie Sessanga. On la connaît très bien. Mais ceux qui sont au pouvoir, bah, d'autres taillons sur mesure pour des raisons politico-politiciennes. Et sur la CENI. Nabilo Komisa Touana, il fallait qu'on se mette d'accord parce que Nabilo Komisa Touana, ils allaient commettre le mécanisme d'arbitrage. Mais bon, taillant en sur mesure, et puis vous voyez, vous bombez les torses de sa population, et que vous l'avez résolu à CENI, vous l'avez résolu à Cour constitutionnelle. Mais vous n'avez pas fait la même chose. Parce que nous avons réclamé traçabilité, la transparence à la procédure électorale. On est dans un même cas aujourd'hui. Et dans un même cas là, vous avez vu ce que
tous les restes kadima voilà pour ce peuple voilà pour ce peuple ma casse peuple la Rwanda discours raté peuple la Rwanda la volonté populaire ce qui était bande konga mbagani élection et c'est prouvé que bagani élection Rwanda bien sûr. Bien sûr, si c'est publié, si le résultat sont palpables et mon ami qui est motagani resté dans mon tout son goldo pakala, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui ont la publié, ceux qui ont eu, bah pour mon dans toutes les provinces, bah organisation nationale tout internationale et pour identifier et pour programmer, ils ont résisté au Wanande, là on va témoin à Bissou. Et ça, c'est ce que je veux dire. Je veux dire, la Cour constitutionnelle, on ne va pas attendre ça, parce qu'on estime que la CENI est une institution monopartisane. La Cour constitutionnelle, je vous ai dit ici, 7 membres sur 9. Dans quel État comme le nôtre? On a 145 territoires. Dans 141 territoires, vous confiez une institution politico-juridique comme la Cour constitutionnelle à 7 membres sur 9 d'une seule même région? On s'amuse de qui? Non, peuple à Zobati. La réalité ou la politique pour obliger le peuple à avec un juridisme qui ne tient pas des coups. Très bien. Merci beaucoup, Mwalamboka Ndeko, Emmanuel Chibambe Yamboto, l'Obéral Kambeta du Développement. Toujours, il y a la sortie médiatique qui a corné, il y a un gros qui a insisté, qui accord politique et ça a coexisté, et pas ça a commencé à publier. En gros, est-ce que ça bouge le camp du pouvoir? Ça vous dérange? Oui, qui, tant on dégage une parole, à l'objet, à balai, bah, absurdité. C'est une insulte pour moi. Ça veut dire, de façon implicite, il m'a insulté. J'avais refusé, dans quatre paroles, je m'étais dit, moi je suis démocrate. Bah, je me suis dit, dans cette absurdité, il peut avoir raison. Mais je l'ai suivi religieusement. Il a pataugé, il a jacassié, il a fait tout ce qu'il a pu faire, sans pour autant démontrer l'absurdité dont il était question. Donc je demanderai à notre camarade, prochainement s'il prend sa parole, à retirer. Moi là, ça m'a lésé. Je ne peux pas tenir ce genre de propos à son encontre. En tout cas, s'il ne le prend pas, je pense que ce sera peut-être la dernière émission que je fasse avec lui. Parce que moi, je n'insulte jamais. Moi, j'ai parlé sur base de texte. Moi, j'ai posé tout juste une question de savoir, à l'Aksanga, quels éléments Oyoye à l'obiété, après vote le soir, on publie. Mais la loi électorale, même si ils ont ni à lobby, c'est sang à tout ça, mais ils ont même les réseaux sociaux. Ah là, qui s'en aille dans quel article de la loi électorale qui stipule qu'après élection, il y aura publication. Soit qui s'en aille, je vais rétropédaler et puis je vais demander pardon à votre téléspectateur. C'était juste ça, c'est ma question. Mais il était incapable de démontrer ça. Donc, l'opinion retient qu'il m'a traité d'absurde. Donc, tout ce que moi j'ai sorti de ma bouche, ce sont des absurdités. Pour moi, c'est une insulte. Donc, je n'ai pas cautionné. Deuxièmement, je voudrais aussi rappeler à mémoire de mes compatriotes. Il faut que les gens retiennent ce que je vais dire tout à l'heure. Beaucoup de gens connaissent Denis Sanga hier, avant-hier. Moi, ça fait plus de 15 ans que je connais ce monsieur. Et il me connaît personnellement. Pour avoir été avec lui pendant très longtemps. Pas avec lui. On a été ensemble dans l'opposition pendant très longtemps. C'est mon vieux avec qui, d'ailleurs, on interagit à chaque fois. Mais il faut tout le papier vérité Nenge et Sengeli. Nambo Kanabiso, si on veut parler des leaders nationaux, actuellement, nous n'avons que trois leaders nationaux. Trois leaders nationaux. Nous avons le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons le président honoraire Joseph Kabila. Ça, il ne faut pas aussi oublier. C'est un leader national. Oui, hein, il a dirigé ce pays pendant 18 ans. Il a aussi un ancrage naïe. Et nous avons M. Martin Fayoulou. Voilà les trois leaders nationaux actuellement que nous avons dans ce pays. Les restes sont des leaders provinciaux. Ça, je l'ai dit. Pour preuve. Écoute, dans la délice, c'est ça, il y a une candidature à poser. À tchèque cumule. À tchèque autour de la présidentielle. Et puis à tchèque la députation nationale. Pourquoi pour Ebike? On est aussi malangoté. Pendant que ma chômeur était en 2023, on est député national. Et puis il ne faut pas voter PSO et pas Obima. Cette fois-ci. Parce que le peuple s'est assagi, hein. Tout au peuple, on a quatre qui battent le lobby. Par-ci, partout, moi je me suis promené, les gens ont dit en tout cas, ceux qui vont députer à Kalabotik, les deux vont à 5. Alors il faut faire, maintenant il y a un effort de rester parmi les 5 là. Moi j'étais au Kassai. Même dernièrement, j'étais au Kassai à Kananga, lui c'est tout qu'on sort. Les gens, tu vas voter n'importe qui. Tu en as besoin de renouveler classe politique. Les gens sont décidés.
total en 2023, d'ici demain, il y a l'Assemblée nationale. Donc, quand j'ai demandé aux gens de pouvoir battre campagne, pour que tu aies une campagne sur les réseaux sociaux, sur Twitter, et puis, moi, en tant qu'expert en communication, je voudrais aussi renseigner aux gens. Le taux d'accès à Internet, je parle de la RDC, est de 30%. Tout le monde, collègue, n'a eu Trésor Kalafa, il y a eu Bissau. Tout le monde, Gauthier, c'est, il y a eu Bissau. Ma collègue, n'a eu. Le taux d'accès à l'Internet, donc, Batou, l'Internet, je parle de la RDC, est de 30%. Parce que j'ai aussi conseillé certains amis qui sont candidats, qui se votent, qui se disent, voilà, moi, on va battre la campagne à la réseaux sociaux. Je dis, cher ami, 30% n'a pas eu Babi pour la Congo Mobimba. Ce qu'on a Congo, on a 145 territoires, on a 26 provinces. Sauf que Kinshasa, ton angoisse, il y a combien de pourcents? Et puis, toi à Kinshasa, il faut que la circonscription aux Ali, et ça, de combien de pourcents? Parce que la plupart de ces candidats, ils sont en campagne pour avoir un bon côté, pour avoir un bon côté, pour avoir un bon côté, la situation. Ils sont en campagne sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, ils sont en campagne place où on est. Et puis, ils sont en grande ville. Et puis, ils sont en Kinshasa, ils sont même pas en train de faire. On a Boulungu à commenter. On a Bon, être la campagne. Et puis, bon, tu as même témoin. Tu as témoin sur toute l'étendue du pays. Hein? Tout le monde a bango. Mais si tu as dit que tu as dit que tu préparé, il a replacé ma témoin dans le bureau de vote, nion surtout à Mboka. Pour que tu aies une contestation. Tu as dit que tu as dit que tu as résisté, tu as dit que tu as dit que tu as publié. Et puis, il faut avoir un contre. Il faut avoir un contre-poids aussi. Si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit église catholique avez dit que vous 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 avez dit candidat vous avez dit que vous avez dit bah procès verbal en aïe, yango. Tant que tout n'ayo, l'exercice va procès, c'est l'église catholique qui avait parlé, oh la radio Vatican. Bon, si on a radio Vatican, on a, je ne sais pas, on a fait fan, y a yo, c'est à cause, c'est forcément. Parce que ça existe aussi, hein. Il y a certains journalistes qui donnent des informations sans vérifier. Alors, toi, tu vas te confier à ces journalistes, c'est là où elle en est, tu sais qu'elle était. Apporte-nous tes PV, certifié, candidat, tel. Revenons, c'est en ce moment-là. Revenons à ma question, c'est très important. Citez-moi Namboka. Maman. Naï, ce monsieur, je après le scandale de Samina, na Kisangani, na ba Douala, ba tout consort, y a ba carré minier, na a possédé de façon illicite. Aujourd'hui, l'État fait son travail. Ce monsieur a disjoncté. Il a disjoncté. Pourquoi? Souvenez-vous, ce monsieur avant qu'il ne place Yakendaki, à l'écran une émission y a Koulou Tounabiso, Jean-Marie Kassamba. À l'oba, bah image des alliés. Quand ça m'a tourné la question par rapport à l'élection, il a dit c'est bel et bien Félix Tshisekedi qui avait organisé les élections. Et puis on lui pose la question. Place au monde dans le français. La pensée va l'oba a été la faiblesse. Vous savez, la faiblesse du mensonge, c'est laquelle? La faiblesse du mensonge, c'est qu'il y aura toujours, toujours un point d'incohérence. C'est par là que les gens comprendront que tu es en train de mentir. Batounia Moutouna, accord en question, c'était en quel moment? Il a dit, au moment où nous attendions, au moment où nous attendions les résultats de la Cour constitutionnelle, mais cet accord serait signé. Très bien, on parle français. Hein? Au moment où nous attendions la proclamation, la certification des résultats par la Cour constitutionnelle, c'est en ce moment-là que cet accord aurait eu lieu. Mais
ne sont pas tout ça bah tout botami l'obité. Ah bon messieurs. Donc ça veut dire quand toi tu as publié tu serais des vainqueurs, il n'y avait pas accord. Nous sommes d'accord. Si vous dites ça lobi bon, pourquoi nous devons rester là indéfiniment en train de cogiter sur et le mot d'être noir sur blanc. Lui quand il a organisé les élections, il a proclamé qui vainqueur. Tu sais qui a dit. Lui-même, dans ses propos, il dit, oui, je suis témoin de ces accords-là, ça s'est passé au moment où nous attendions que la Cour puisse confirmer les résultats publiés par la CENI. Mais il a tout dit. Il a tout dit. Alors moi, un tel monsieur qui fait des rétropédages à chaque fois, un monsieur incohérent, quelqu'un qui n'a pas sa tête sur place, donc je ne peux pas commenter. Ça ne dérange pas le pouvoir qui a publié ça ne, à Binissa. Écoutez, le pseudo général en cavale là, John comment il s'appelle? Un faux général d'ailleurs, un pseudo. J'ai des preuves pour démontrer que c'est un pseudo général. C'est la famille Kabila qui a fait de lui général, surtout qui a fait de lui militaire. Lui est le pseudo général en question en cavale. Mais ils ont raté l'occasion de donner à la nation, de démontrer à la nation l'accord en question. Le monsieur, quand il a fait sa vidéo de 12 minutes, il fallait qu'il y ait une administration pour dire l'accord avant tout le bar. Il y a un mot, yo. Moi je constate que nos amis sont en perte de vitesse. Nos amis n'ont pas, ils ne digèrent pas du fait qu'ils perdent le pouvoir. Sur place, c'était parce que nous avons mis ma mais à l'étranger. Et puis, avant, nous avons fait une vidéo à 12 minutes. Mais nous avons dit que nous avons mis la vidéo à 12 minutes. Ce qui t'aime, va certifier Yango. C'est ça. Très bien. Qu'il nous balance ces accords dont il est question. Dans 2 mois, pour toi, à pouvoir, nous aussi, là, ils ne seront pas en mesure de le faire. Très bien. Gloire à Dieu, Félix Tshisekedi étant candidat du peuple, étant candidat choisi par, par Dieu. Alors, il y a toujours des traités, il y a toujours chaos, vous pensez tout ça parce que il y a Zali Mwananzambo, Atinda Kipo, Ayako Sauvé RDC. Merci beaucoup, Ndeko Emmanuel Chibambe, tout ce qu'il y a 13 minutes pour tout chiter. RDC, quelle politique agricole pour un développement durable? Tu as 5 minutes, là, mon pour encore démontrer comment est-ce que Tokokiko s'est développé sur le plan agricole. Yamboto, au chité, Ndeko Moka Lobby, Ndeko Emmanuel Chibambe, au commis, Orgueil Makasi, parce que, en 2019, Félix Tshisekedi, est-ce qu'il y a à Sala qui campagne électorale et si Kanyon Solelo, Bozo, tiens mon okomakasi parce que Bozana Mbongo, y'a aucun de bisika Nyonso. Merci Ming de Komsu Alobi, Fati Beton, Azali Bongo, adversaire de taille, et Seigneli Bande Kwe opposition, Ba Bongama Makasi. Madame Naomi, pardon, c'est très important. Ndekonan. Ndeko Désiré, je pense. Ndeko Désiré, n'a pas peut-être aux informations, c'est possible. Mais non, pas sur information. Information, non, pas sur photo, pas sur les réseaux sociaux, pour tout ça. Surtout, les gens qui ont un numéro, non, routine de photo. Moi, j'ai accompagné le chef de l'État, Félix Tshisekedi, et le VPM Vital Kamere. Lors de la campagne électorale 2018. Na fin fond, mais c'est quand même. Na Stani Boujaker. Il y a des faits qui démontrent que l'article est bien. Attendez. Naebi lo lobby. Mais il y a des soupçons qui démontrent que l'article a été bel et bien. Je dis bien, il y aurait des soupçons qui démontrent que l'article a été envoyé par Stani. Mais malin qu'il était, na lobby t'a confirmé. Jusqu'à présent parce que bon, on a enquêté sur Yango. Article Lewana, il semblerait que Stani a beau signer, on voit bien qu'il sera signé, à étiqueté. Alors il a joué le malin, a signé l'article sans signer pour la faute est incombée dans la rédaction de Batem Sassou na classe. Yango Wana, Bakondi, il y a justice, va détenir, on va enquêter.
pour si réellement ils a bon très bon côté pour relaxer. Merci. Donc on a le bas botuna Stanley Boujakera botuna Jeff Caleb botuna Edmond Izuba ndeko désiré a ko biso que moi j'ai accompagné le chef de l'État sur toute l'étendue en Mboka. Très bien, merci beaucoup ndeko. La campagne électorale yango le on appelle la singipe la délice c'est ça on appelle ça là na mata pour on appelle ça là na franc bien on peut bas ça là pour une contestation en Mboka. Merci beaucoup ndeko Pistis Muteba. La question sur agriculture, la question sur le développement de notre pays torbanana nini torbande sikani ni pourquoi va projet nyonso auto salaka et kenda penza mosikate to moni bukanga lonjo et kayi mosikate le lotoza quand même na projet oyo ya ezali ko salema eza penza na grandeur ya mboka mobimbate na service national. Comment faire pour que na ngambo wana to se développer s'il faut penser le Congo dans quelques années makanisi na ko za ndenge nini alors ko za moto ya en vol malobo mboka oyo matundi mingi maman Naomi na yo kia opesinga 5 minutes otikangana na pandango lolenge na lingi 1 minute na ko sala moi. Moi, si je m'applique 4 minutes, je reviens à la question de l'agriculture. Il y a majorité à l'objeté, tu as opposition, tu as un bon côté pour avoir un état dans le territoire, dans les fins fonds de la République. La question est un bon côté, c'est la question basée sur les valeurs. La question est la question de la langue, la langue, la mais oui, maman Naomi, tu as un état de la langue, tu as un état de la langue, tu as. Il ne faut pas qu'on croie parce que là, si Kazaka ou Yokoloba, c'est que tu as un professeur d'université, tu as un professeur d'université, un avocat, un médecin, tu as un professeur. Même que le Congo, il n'a pas besoin de son providentiel. Le Congo d'aujourd'hui, il ne faut pas être nostalgique. Le Congo d'aujourd'hui a besoin d'un projet ambitieux et sérieux. Nous, là, nous on vole. Nous avons la reconnaissance du Congo. C'est le projet que le Congolais veut entendre dans tous les secteurs de la vie nationale. Projet de l'homme pour ça. Et puis, bah, comment, bah, dans la pour ça, il y a une expérience, une personne expérimentée, dans, une expérience avérée dans les affaires de l'État. Et ça, la bah, question, on a dit, bah, comment, bah, ça, bah, écoute, on a moto, on a. Bah, ça, la besoin, c'est qu'il y a un homme providentiel, bah, ça, bah, leadership, l'ancrage, ce qui n'a eu quitté. Les Congolais n'en ont pas besoin aujourd'hui. Après plus de 60 ans, bah, Congolais, bah, ça, ce qu'on a besoin, il y a débat, on a thé. Vous avez besoin de vous aller candidat, conseiller municipal, député provincial, député national, président de la République. L'Ikanisi Nino Ozanango, pour être au moins, si on a mignon qu'on a pas si on a insécurité, pour être vivre la quiétude, dans la paix sociale. Il y a un Congolais à Ozela. Là, Ozela, il y a un Ozela, il y a une campagne électorale. Bon, on a besoin de tous discuter sur le projet. On n'aime pas être là pour discuter sur. Pas comme moi, je suis là pour dire. Je suis là pour ça, je. Voilà, ils allient vraiment le Koya capital Oyo, Tabane Kobeta. Mais tu dis solo, il y a Bablo Koyo, Nangazolo. Mais ils ont réconforté notre position. Tant que tu obéis l'élite, il faut que l'élection, et ça, dans le cadre, il y a traçabilité, il y a transparence. Transparence, allais-je dire, pour que ces Nina Cour constitutionnelle aient constaté volonté populaire. D'une part, et la côté Moussous, la population est surveillée, était volonté populaire, d'ailleurs, à la respecter. Soit tu as un mot qui a une volonté populaire, vous allez respecter, mais ma quelle est le cas de ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ma quelle est le ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, ton nom, la volonté populaire qui est certifiée et vous allez opposable. Soit vous avez ma quelle est le cas de ton nom, me dit pourquoi. C'est parce que, dans les trois scrutins où tu as une Congo, volonté populaire, ils allez respecter. Il y a un Congolais de partout, dans ma ponami, où vous allez courir dans 2 mois, il faut que vous éveillé de partout pour être volonté populaire et à la respecter parce que ça lui gage il y a paix sociale. Donc, qu'est-ce qu'il faut dans l'agriculture? Bilanga. Tout si le congrès n'a pas mal, la monnaie n'est pas le congrès, j'ai conclu que les Congolais n'ont pas une vision pour le Congo. Pour être, vous voyez bien, il y a beaucoup de gens sérieux avec des dirigeants sérieux. L'agriculture, c'est le moteur même du développement. L'agriculture est un facteur même de l'emploi. Le Congolais ou le politicien? Le Congolais. En général? En général. Okay. Parce que l'agriculture, ça peut toucher l'aspect public et même privé. Pendant ça, il y a un à l'état. Il y a un à conclure que le Congolais, tout ça, la vision à mon état pour la Congo. Il y a un autre tic à Marambo, ancrage, leadership, il faut un projet. Il faut une vision pour bâtir ce Congo. Pas pour ça, mon côté. Je suis mort à la Daliawa.
au Congo, bah, tu es tata, tu es maman, tu es à tu es Congolais, tu es à mon côté. Mon côté. C'est les urnes qui sont telles dans la capacité, les urnes avec le résultat vraiment au pour la volonté populaire. Les urnes qui sont telles dans la capacité à gérer Mboka. Je ne sais pas si on a dit là. Pour dans le cadre du développement du Rabbin Lobby, pour nous, en tant qu'acteur politique et puis scientifique, la bande était pour que Mokaïcha bilanga na cadre mon corps et à la facteur il y a emploi n'a qu'au limiter ba importation. Il faut le moyen, il faut que le gouvernement ait affecté et alloué secteur il y a agriculture. La salle de recherche n'a boutou n'a pas été le budget à 2022 moins de 3%. Ils allaient allouer na agriculture et na cadre il y a exécution bah les gars 1% j'ai dit bien exécution parce que yo ebi na cadre il y a partage équitable à mon solo mon budget mon ko ils allaient allouer les mon ko ils allaient forcément exécuter ti mais j'ai vérifié parallèlement ça dit ma comparaison mon Sénégal le Sénégal est à 17% de son budget pour l'agriculture mon pays bah tu vas avoir la vision pour la mort à la banque mais ça c'est vraiment sérieux. Bon, on au sérieux. Pour éviter l'agriculture, il a dit éléments où ils allaient couper sa bateau. Mon sala, emploi, le jeune, nos mamans qui ont encore la force pour nous aider. Balona, pour être tout lié à Biloko, Babengi, au Koulout, n'a jamais qu'à Mingan, le Benga, la Kala. Made in Congo, pour être plutôt limité par importation. Mais Congo, Congo, il y a 1% d'exécution et un budget, il y a agriculture. Deuxième chose, les infrastructures, les routes à dessert agricole. Natangi programme il y a 55 jours. Na programme 55 territoires, allez je dire, et le Biboué. 8844 km, il fallait la réhabiliter. Banzela est un dessert agricole. 30091.5 km, il fallait la entretenir par les services étatiques. Donc, sur l'addition, il allait 33935,5 km de route de dessert agricole. On a dit, boy, on va commander les bâtiments au tunnel. On a tenu le lieu. Mon sol, ils allaient sûrement décaisser, payer, entretenir la banque, moro son gros paca. Pour ça, la moussala, on a une route, il y a des certes agricoles, pour être bilé, il va vivre et route dans la province, dans le territoire, et circuler dans l'ensemble du territoire national. Combien de routes, combien de kilomètres ils allaient réhabiliter sur le 8845 km2. La route à réhabiliter pour le dessert agricole. Combien de kilomètres? Il y a 30091 kilomètres où il faut entretenir. Ils ont entretenu par rapport au programme à 145 territoires. C'est sur ces questions-là que le politique doit venir faire un débat ici. Ben, ça va comprendre que sur ce sujet-là, il y a la route, il y a des dessert agricole. Où ils ont la carte, il y a un programme, il y a 145 territoires que je présume que bon, vous allez loger dans 50 Songolo Park. Bon, ça les salima. Combien est salima? Salami Wapi. Montant de caissé, boni. Montant de exécuté, boni. Et ça, dans le lingue, wanande, faut que ça va congolais dans le cadre de la redevabilité qui est mon à l'État. Et ça, dans le Songolo Topakala. Dans le cas contraire, je répète que les Congolais n'ont pas une vision claire pour le Congo. Merci beaucoup, et il faut donner le Congolais à celui qui a un projet ambitieux et sérieux pour redorer le couleur de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, Ndeko Emana Tshibambe, tout comme vraiment la souk émission, vous avez 5 minutes pour te citer la question et la réponse sur le sol, le sol sur le sous-sol, si le lot question des oimités, Ndeko Kamere récemment, et Wabi Samson, donc Torolona, Torolia Bilo, Kotoke Nangwa, Pedelo, chef de l'État, a déposé candidature, Naya Lobby Torosa, la Renaissance, remontade, développement, crédibilité. C'est vrai que Nana a présenté le programme, Naya été, mais place Nini, Bino, Bahi, pouvoir, Mopes, en agriculture, une fois élu, parce qu'il y a des cas où tu une fois réélu sur votre deuxième mandat, qui vous opé ça moins de 3% na wetan maramétal agriculture to lien ngeni to ke bosone ma bombo ka de gomba sans en information te depuis 2022 na budget depuis 2020 depuis 2022 parce que faut eba tant au régime de soi pouvoir en 2019 to passa qui to zaï na gouvernement ya coalition oyo et j'ai eu 2 ans de gâchis, je l'ai toujours dit. 2 ans vraiment de triste mémoire, je l'ai toujours dit. Et permet à Guy vraiment, dans mon conseil, à
Budget et agriculture, très largement, vous en avez moins de 2%. Il y a 2023, c'est 3%. Quand on négocie les comparaisons dans le Sénégal, il faut tout l'ingrédient, tout le stock au bateau, surtout bateau, balanarapina, magamon, secteur, wanate. Il y a ce qu'on appelle des secteurs prioritaires. La configuration politique autour de la RDC, ce n'est pas la même avec celle du Sénégal. C'est pas là. Au Sénégal, il n'y a jamais eu guerre. Il n'y a jamais eu guerre dans le Sénégal. Banda bazwa indépendance dans bango ti lelo na Sénégal non guerre ekotate. Configuration politique na biso ndemo na Sénégal ti. Ce qui Sénégal bana budget à 1 pour 17% ne ndeko lobby. Je dois aussi vérifier si c'est ça. Si vous photo yeba Sénégal bana budget na armée na bana budget combien? Après ça budget armée à Sénégal. Tu comprends bien le budget armé à RDC. Donc, on a RDC à Nicolo Makassi. Je crois même deux ou trois même. Nicolo Makassi. C'est pour dire quoi? Il y a des secteurs où tu as comparé entre ces deux pays-là. Nous avons pris le pouvoir, nous avons eu le pouvoir en 2019. On connaît ces histoires de coupeurs de route, de groupes armés, tout ça. Même ma guerre en Mitim-Gessam, ma occupation rwandaise, on a connu ça. Au Sénégal, ça n'a jamais été le cas. Alors, quand le chef d'État prend le pouvoir, qu'est-ce qu'il va prioriser? Même pour faire le champ, Kosala Bilanga, Kolona, agriculture, tu dois avoir la paix. Tout le monde aura dit, s'il n'y a pas la paix, maman, papa, n'a pas la paix, pour dire que avant tout ça, Bilanga, faut aussi sa guerre dans l'Est. Bien sûr, il faut d'abord établir la paix. La paix. On ne peut pas le faire si on ne construit pas la paix. En tout cas, s'il y a un savant, il y a une face à contredire, il y a tout ça dans les discussions. Et puis, il va me démontrer de quelle manière, par quelle alchimie, il le fera. Le pays est agressé à l'Est. On doit se focaliser sur quoi? On doit se focaliser d'abord à rétablir la paix. Et vous avez la priorité, ils ont axe mot prioritaire. D'abord la paix. Et au extérieur, ils ont la rudimentaire. Je parle ici des axes prioritaires. Donc, les gens doivent comprendre que même attente au Mokonzamboka, et même promesse au Mokonzamboka, parce que attente aux populations dans le secteur de l'agriculture, et une moi de défense moutier. C'est parce que nous avons des problèmes majeurs à résoudre dans ce très bien. C'est connu de tous. On est agressé. Et pendant que tous les gens qui ont fléau, ça, c'est normal et ça se comprend. Il a vraiment accès beaucoup plus à l'inaïe pour l'inaïe. Aujourd'hui, nous sommes parmi les réserves, il y a forêt, Nambo Kanabiso. L'herbe, c'est regorgé par terre arable. Estimation précise. Il faut tout exploiter par terre arable. Il faut tout exploiter. 80 millions, si je m'abuse. Je crois 83 ou 80 millions à peu près. Oui. Merci pour nous mémoire. Donc, nous devons nous voter sur ça. Ça viendra juste après rétablir. Moi, j'ai dit ceci. Moi, je constate que mon pays n'a pas la paix. Mon pays est agressé. Alors, je dois faire quoi? Je dois continuer avec l'agriculture. Bon, je continue avec l'agriculture et l'ennemi, l'agresseur, vient jusque chez moi. Très bien. J'aurais perdu. C'est la fin de la mission. Qu'est-ce que je fais? Moi, je me dis, bon, j'allais faire ce travail à 100%. Bon, je vais quand même l'écourter. Au lieu de savoir 100%, selon par exemple, à 40%. Pour que les 60% de ce qu'il y a, ils ont l'énergie pour que les gens soient agressés. Merci beaucoup, Mme Boka, Maton Domingue. Merci, Ndeko Pistis Mouteba. Merci beaucoup, Monsieur Emmanuel, Ndeko Emmanuel Chibambe, Debe Zala, qui est vraiment pédagogique. J'espère que prochainement, tu auras un secteur. Mais il y a qui a arrêté, maman, on a été.
Non, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont les propos. Les absurdités, là, à propos. Et monsieur, ainsi, moi, les absurdités, ce sont de propos. Je pense c'est que la fin de l'émission. La population va trancher. On se retrouve. Parce que ce que moi j'ai dit, vous ne l'avez pas rencontré. En tout cas, le dictionnaire est d'accord. Le propos, ce sont les absurdités. Nous sommes le pont entre les États-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagés et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des États-Unis, du Canada et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux États-Unis, 1000 Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. À Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Rigini, commune de Lemba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.